Voilà, donc c'est avec les trois intervenants que nous allons devoir parler des préparatifs de ces grands meetings du 28 avril 2019 à la place Sainte-Thérèse Angili. C'est le même jour que Martin Fayulu devra regagner Kinshasa, donc capitale de la République démocratique du Congo, la terre de ses ancêtres. Ces mêmes jours-là, donc aux environs des 11h-12h, que Martin Fayulu devra fouler le sol quinois, et destination le même jour, place Sainte-Thérèse Angili, pour son meeting. Les uns appellent meeting de vérité, les autres meeting de restitution. Que devra-t-il dire concrètement? Vous le découvrirez ces jours-là. Donc voilà l'actualité du jour. Mais nous ne manquerons pas aussi donc de parler de l'actualité politique du pays. Vous le savez, au moment où nous parlons, il y a le dépouillement au niveau de la chambre basse du Parlement concernant l'élection des membres du bureau définitif. Déjà, on procède au dépouillement. Donc, à tous les postes, il n'y avait que des candidatures uniques. Peut-être dans les prochaines heures, Mabunda sera donc, elle devra succéder à Aubin Minaku au perchoir de l'Assemblée nationale. Nous allons en parler. Nous parlerons pourquoi pas de ces messages de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis Kisangani. Il a promis que dans peu de temps, il va nommer les premiers ministres, donc les formateurs du gouvernement. Donc tout cela, nous allons en parler. Mais je m'en vais d'abord du côté de la régie pour vous demander, vous le savez, nous avons déjà démarré avec les émissions en termes de restitution donc, de la tournée héros américaine de Martin Fayulu. Et dans le cadre donc, de cette émission-là, nous vous proposons les images donc, du meeting de Martin Fayulu à la place de la République à Paris. Nous sommes là en France. Et puis, on va se retrouver juste après pour commenter l'actualité. Bon, si les images ne sont pas prêtes, donc nous allons vous les balancer même tout au long de l'émission. Le temps pour nous d'abord de poursuivre avec l'émission. Vous le savez aussi que vendredi, samedi, c'est-à-dire 26-27 de ce mois, la conférence de l'IDR de la MUCA va se retrouver en réunion pour finaliser la mutation de cette plateforme politique qui deviendra, pardon, de cette plateforme qui deviendra définitivement une plateforme politique et non plus électorale. Alors, Ndeko Prince Pengé, Toyoki, Balobi, les experts des différents leaders sont déjà à pied d'œuvre pour Narosilisa, Muturo et Komema Bango va signer pour confirmer mutation Yalamuka en plateforme politique. Vous, en tant que communicateur Yalamuka, comment évoluent les travaux en attendant les 26, les 27 de ces mois? Merci pour l'invitation. Les travaux vont très bien. Les différents délégués des différentes composantes de la MUCA travaillent sans relâche pour donner corps à l'idéal commun qu'on s'est fixé, c'est-à-dire de transformer la plateforme électorale, la MUCA, en plateforme politique. On y travaille consciencieusement, on n'a pas à nous précipiter parce que le défi est énorme. Il faut remuer ciel et terre pour restituer le pouvoir au peuple. C'est une formalité en principe parce que l'option est élevée. Il ne reste qu'on couche les principes sur papier et puis les choses vont aller ou avancer très vite.
Le plus important, c'est la tournée du président de la République démocratique du Congo, valablement élu par le peuple, véritablement porté par les Congolais aux élections du 28 décembre 2018. Le président Martin Fayoulou séjourne toujours à Bruxelles. Il va faire un petit tour à Paris à nouveau pour rencontrer, parce qu'il n'a pas encore terminé toutes ses réunions, tous les rendez-vous, tant avec les Congolais qu'avec les personnalités politiques françaises des hauts rangs. Donc, mais de l'autre côté, il prépare également son retour, comme vous le savez, vous l'avez rappelé à juste titre. Il est entendu à Kinshasa et patiemment. Les Congolaises et Congolais nous appellent chaque jour pour nous dire « Nous ne pouvons pas faire des mois sans Martin Fayoulou, sans notre président. » Donc je voudrais profiter de l'occasion pour rassurer aux Congolaises et Congolais que le président de la République que vous avez élu rentre au pays très bientôt, donc le 28 avril 2018. Il est en ce moment à Bruxelles. Donc, Bato Banso Babongamaka Pona Koyambaye Nariopo Angili Dotolobaki na Dize Biso Banso Tobengiango et Yenga Yamandalala Pambate Toalina Mamoko Pascal Toana na devoir Moko Yakumemase Mandalala Tozi Bapele Kama na intérêt Imobimba aux provinces orientales, Équateur, Kinshasa, et plutôt Bakongo, Bandundu, Maniema, surtout Bandokoya, Maniema, Kuna, Balobi, Tola, Talolengenini. Ce Tolobi, ce qu'on a dit à Congo, c'est bon. Parce qu'ils n'ont pas tout à s'organiser à l'intérieur, Yamboka. Pour ma colobaye, c'est un peu symboliquement, dans la réponse, Yamba, de manière virtuelle, président Nabiso, l'Église publique n'a pas accès à Okenda. Après l'équipe Bélé, je tiens à m'excuser, je demande encore une minute pour ma colobaye. Pourquoi il y a des appels qui sont sautés? Parce que les appels sont 1500 appels par jour. Il y a des appels qui sont sautés. Il y a des messages pour tous les temps qui sont répondus. Le comité de résistance dans le Congo, dans Kinshasa, on a des nombreuses menaces, 720. Dans le Congo, Mobimba, nous sommes au-delà de 5000 ou 3000. Mais tant que nous avons installé, il nous faut du temps. Parce que dans la province, nous sommes éparpillés, nous sommes dans la salade. Mais nous disons Tokoya dans chaque province. Toko confirmer Bino parce que je voulais dénoncer ça. Na outi côté à l'imbakuna, na moni bande comme sous bâti ba bandole pour na koloba. Ba ina meeting pour na vérité des urnes poste oyo. Ba tom sous ba tom sous oyo ba utiliser na bango na ba FCCP cash. Ba kei na terrain to sala meeting. Ba yo côté affiche na bango monen. Ok, ba na bureau kuna te. Bana maman bekunate mais bakay ko tielong ina bango na terrain ya Saint-Thérèse et sikowa banani soko mbolo longa mutu olobia wano toko loba yango parce que to lingi to comprendre motivation et puis on va les dire tout haut ici ba de tout ba ko le kana fikine loba monete ba tiba banderole meeting pour la vérité des urnes na kati ya fikine to yebi pe to zube information ya sûr et de FCC na cash na libana bango bo sembo ba ko sala manso ko te ba tia ba trouble na meeting. Il y a Mokolomingo, peut empêcher meeting à peut-être cause école Martin Fayoulou et les Kamalam, va décourager battre. Battre le message dans les réseaux sociaux, dans les WhatsApp, dans les Facebook, dans les Twitter, dans le bio, meeting à Fayoulou et qu'il y a la société. Non, non, nous vous disons que meeting est maintenu. Wane Zali Badongolo Miso, Benemi à Congo, Bako Banga retour à peut-être cause école Martin Fayoulou pour Nanini. Et puis pour nous, ce qui ça, Bako c'est un peu stratégie. Ba débaucher, ba longo, ba zo abatom sou sou ya mike mike na kati ya lamuka, pou ba lobo, moni lamuka panzani, to lobi na bino ete, motomoko azali, on va y revenir, sinon vous allez monopoliser la parole. Mais une petite question, lorsque je vous ai posé la question sur le déroulement des travaux préparatifs de cette rencontre du 26 au 27 avril courant, Vous dites toujours, les plus importants, c'est les meetings. Les plus importants, c'est les meetings. Donc, la question de la rencontre des leaders de la Mouka importe peu pour vous par rapport aux meetings. Écoutez, quand je vous dis que l'option a été levée, qu'il y aura une imitation de la Mouka comme plateforme électorale, la Mouka deviendra plateforme politique.
Pourquoi les plateformes politiques? C'est-à-dire que nous voulons mieux structurer ces regroupements. Nous voulons doter à ces regroupements des organes bien précis qui ont une mission bien claire dans la perspective de continuer à combattre ces coups d'État, dans la perspective d'arracher les pouvoirs du peuple et de remettre à celui qui a été élu. C'est ça l'avantage d'avoir une plateforme politique. Et donc, dès que l'option est là qui levée, Mayema Koyana Simaya, c'est-à-dire que nous devons combattre Falouté, et Taliban de Komsouté, et comme une des bisous, tout ça, il y a un bisous pour la Koma Mikanda. Bon, maintenant, ce photo, il y a quand l'état d'Oike, tout le monde a Koma Mikanda, 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 alors que les lots, où est l'équipe Motuya Yali, meeting au Bakongo, tout va causer dans la Congo le 28 avril. Yo, mon FCC, Nego Félix, Nando Kabila, bâtir une machine en place pour démobiliser le Bakongo, il y a un meeting. Parce que je banga ba no aso tata mo koze ko matin fa lu akosa mo koloye wana alors on est le bena makama meeting o ba kongola to ba koze la kende na changu kende na mwamba kende na funa kende yakana lukunga o komona ba kongola to ba koloba se makama meeting tata mo koze ko matin fa lu maintenant le bela yango yo ni ngolo bela makambu yao nana komaki akuna nana tsaki vigi kuna nana tsaki mo koloko kuna ne pensez pas que si on parle de cette rencontre, ça va démobiliser. Non, ça n'a rien à voir. Le Congolais n'est super mais énorme. Comme c'est une question d'actualité, on doit en parler. Professeur Mathieu Kalele, vous, à votre niveau, est-ce que les travaux vont bon train au niveau de Bruxelles, les travaux préparatifs de cette rencontre pour la mutation de la Mouka en plateforme politique? Oui, on vous a informé que les experts de différents fondateurs de la Mouka sont à pied d'œuvre pour préparer cette rencontre de la fin du mois. Ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est révéler le contenu et les options fondamentales qui vont être levées parce que nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Les préparatifs se font. L'objectif, on vous le dit régulièrement, il s'agit d'une mutation de la Mouka, de parti, d'organisation pour les élections en force politique pour continuer le combat. De même qu'il y a des travaux qui se font en Europe, il y a également l'avancement des travaux pour le meeting ici. Quand on parle de meeting, il y a les préparatifs. Ça signifie quoi? Ça signifie la mobilisation des gens afin qu'ils soient là. Je crois que toutes vos émissions ici, toute cette semaine, la semaine passée, nous ne faisons que inviter les gens à se rendre en Djili. Nous ne faisons que répondre aux appels qui viennent de l'intérieur du pays, même de l'extérieur, pour confirmer le meeting du 28. Nous les mettons en garde contre les rumeurs qui courent, qui sont des rumeurs de démobilisation. Une des rumeurs qui a couru ici, c'est est-ce que l'arrivée du corps de Lutumba ne va pas déranger votre meeting? On a dit non. D'abord, c'est assez curieux. Nous avons introduit la lettre d'information bien avant. Personne, même pas la famille de Lutumba, ne savait pas que Lutumba venait le 28. Pourquoi l'hôtel de ville s'arrange pour faire coïncider les deux événements le même jour? C'est assez suspect. Deux,
Les heures ne sont pas les mêmes. Martin arrive à 10 heures, c'est-à-dire fin avant midi. Le corps arrive à dans la soirée. 19 heures. On aura déjà terminé le meeting. Et puis les deux ne sont pas des ennemis. Lutumba, ce n'est pas Diangenda. Il n'y a personne qui va se mettre à l'esprit d'aller lapider le cercueil de Lutumba. Nous aurons déjà terminé le meeting au plus tard à 16 heures et nous pourrons accueillir comme il se doit le poète Lutumba. Du reste, il ne sera pas enterré le même jour. On l'achemine de l'aéroport à la morgue. On a encore le temps de faire le deuil et de programmer l'enterrement en autre jour. Donc les deux événements coïncident curieusement et l'un ne dérange pas l'autre. Je crois que vous avez cette assurance-là. Peut-être que les autorités de l'hôtel de ville ont voulu faire ça pour essayer de déranger l'arrivée de Martin Fayolo. On dit non, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est vrai que dans le passé, vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme manœuvre au niveau de Kinshasa pour empêcher Martin de faire son meeting de fin de campagne. Je crois que c'est l'événement est maintenu, l'événement est en train d'être préparé comme à Bruxelles, comme à Kinshasa. Merci beaucoup, professeur, pour votre réponse. Bandeko Balandi, Bobenga Raibele, Lermoko, Mepona Nini, député Alamuka, Balekakate, Ndekwados Ndombasi, Ndeko Mike Mukibai, Ndeko Daniel Tsafu, Bobenga Kabenga Rambale Bele, Lelo, Tozui Ngala Yakoyamba. Ndeko Ados Ndombasi, Moko, ya député, ya Lamuka, ya zana dynamique de l'opposition. Tozana Yawa, Ndeko Ados Ndombasi. Bonsoir Lissous. Bonsoir, chef. Alors, Yebisana Lubiso, toba nanango pour les actualités, na utaiku ko annoncer ngwao. Kuna bino bayi opposition, bobimina bino na Assemblée nationale, mapona mezo continue ko salama, bobimi. Ne y a problème. Et loko nini e sali penza ki bino bo tomboka, bo bima, ba rezo e za nini. Merci pour na moutou na ndekonanga. Moni makambo jo sala manakati ya Assemblée nationale e zali scandale. La majorité présidentielle, la nouvelle majorité présidentielle composée ya FCC na cash, malheureusement, va se comporter aujourd'hui comme des bandits. Comme des bandits, c'est pas trop fort, je dis clairement, comme des bandits, comme des koulouna, malheureusement. Ils ne respectent pas l'opposition que nous sommes, malheureusement. Oyebine de Konangaï, après élection et salami à ba député national, bien sûr, na Beni, na Yumbi, na Boutembo, l'opposition a bakissi ba député Moussous, to bakissi 10 députés. Et na nouvelle configuration, et zo salak aujourd'hui, Nakati a bureau définitif, l'opposition a la droit, il y a deux membres. Tu es bien au bongo parce que en 2011, Bazouagi Mibale, Moko na deuxième vice-présidence, tu peux ça a fait Kombo Kissi, et puis Moko Zaki a rapporté radio. Mais Oyo a débauché, acheté, Oyo a le droit, il y a opposition. Par rapport, il y a un calcul, c'est légal. Ils a dit vraiment par rapport, il y a un calcul, Oyo Salama. Aujourd'hui, nous avons à peu près 113 députés, il y a opposition. Et 113 députés, dans les EPS, il y a opposition, deux sièges, dans le bureau définitif. Majorité présidentielle, Baboui. FCC, Baboui, Balobité, Bogozoraka, poste Moko.
Mutumoko alobi ba considérer o ba pesi kabundu wana do bango ba considérer FCC. Je précise. On a bango ba considérer le roi ba pesi kabundu ya galo wana net opposition sali mi bali. Ya ngwa ba boy ko pesa bino place o ba chi balama gekolo. Non, les lo UDPS ezana kata cash. UDPS forme un les lo avec le FCC donc ezali les lo alliance ya majorité présidentielle d'Oberon les lo FCC na cash. L'opposition aujourd'hui Azan a droit, il y a deux postes. Tobonde libre à ta majorité présidentielle. Botika biloko bosa la oyo. Botika ki voyou bosa la oyo. Ah, l'élo est vraiment là-bas. Mot dur. Mais qu'on en a, l'élo, bah, ça, les alliés qui voyou, malheureusement. Les alliés banditisme, je le dis clairement. Les alliés, l'élo, moi, éco, qui, qu'on s'a la maté. Mais mon frère, mon frère, au moins il bisou de côté na politique oyo pour toi apporter souffle ressource. Vous comprenez? Tobanga ti wapi ndekonanga. Tokobanga bango ti wapi. Bato bazotambola mabe. Opposition fois en a deux postes. Bopi meli opposition nanko bolobi vous aura poste moko et puis poste moyen il y a rapporteur adjoint. Mon frère, tu veux que nous les considérons comment? Mais yebi sanga lelo ceux qui majorité présidentielle bazo respecter biso opposition de. Tu penses que ces personnes là vont respecter le peuple congolais? Ils ne vont pas respecter le peuple congolais malheureusement. Mon cher frère, moi je peux te dire que nous sommes en danger aujourd'hui. Majorité aux hommes on a lelo bazar robotisé balogo ba robot. Baza carrément robotisé malheureusement. Robotisé. Et ça c'est un scandale. Aujourd'hui mon frère, nous voulons les lots nakata Kongoto ça en a respect, il y a pas texte. N'oublions pas cher frère, cher ami, plusieurs Congolais ont perdu la vie parce qu'ils n'ont demandé que le respect de la Constitution. Qui sont morts parce qu'ils ne demandaient que le respect de la Constitution. Aujourd'hui, l'opposition demande quoi? Aujourd'hui, l'opposition ne demande que le respect du règlement intérieur. Mon frère, Tobimine, je pense, 3 ou 4 fois, toujours participé dans la plénière. Mais est-ce ça la majorité de l'Orotin? Et tout ça, les bangos et l'eau comme on rote. C'est pour ça que je suis en train de me dire, même si bangos et l'eau moko, au boni, mon père me disait une chose, bah, ça va, moi, la mouké moundo quitté. Au second, là, aujourd'hui, malheureusement, on a donné le pouvoir, le peuple, je ne sais pas, le peuple a donné, je ne sais pas, le pouvoir à une majorité qui ne respecte pas l'opposition. Et cette majorité-là ne va pas respecter le peuple congolais. Nekonanga, oui, aujourd'hui, bah, tu as majorité présidentielle. Ils peuvent peut-être avoir ce privilège, il y a quoi qui invalidé biso na cour constitutionnelle, mais yebara yango mon frère. Okotika la quoi invalidé à dos nomba cité auprès du cœur de nos élus, des personnes qui ont fait le choix sur ma personne ou sur les personnes bien sûr des députés qui ont été réellement élus. Nous avons fait un bon travail, le peuple congolais nous a élus, nous a choisis. Ils ont une force, va monique non, il faut pas le mon abisso na cour constitutionnelle parce que tozolo ba. OK, ba sala yango. Mais ba ye ba ka yango, même ceux qui toza libanda, nous allons continuer à nous battre pour que Congo oyo. A pas raison on a pour na makamne ba pimeli bino deuxième poste na bino, il y a deuxième vice-président. C'est raison monsieur Zate, raison o eza majeur ka yango wana esali ke bo se retirer. Mais mon frère, mais nous devons respecter les textes dès le départ. Ceux qui vont respecter les textes dès le départ, tu penses que quoi? Bah alors, n'oublie pas mon frère, mon cher frère, n'oublie pas qu'aujourd'hui, les personnes qui gèrent l'Assemblée nationale, c'est une personne du FCC, mon frère. Le FCC a dirigé ce pays pendant 18 ans. Bah, Sali est l'autre côté, 18 ans. Quel est le bon souvenir que tu retiens des 18 ans de règne de Kabila? Quel est le bon souvenir? Qu'on se le dise clairement, Négoala. C'est quoi le souvenir que tu peux retenir? Qu'est-ce qu'il y a de bon que nous pouvons retenir? Même il y a ancien président et Assemblée nationale. Quand il était là, au même inap, les choses ne vont pas changer. Aujourd'hui, en fait, ils sont dans une logique où ils doivent écraser impérativement la majorité. Mais moi, j'ai compris. En faisant des enquêtes et des recherches, au Ubi Kena Bureau à l'Assemblée nationale, bon, ils ont rébellé. Tant que Zobo y a opposition, écho, tanakata bureau, là, il y a parce qu'il faut pas y bambon. Il faut pas y bambon. C'est ça leur intérêt.
Et ils ne veulent pas que l'opposition accorde à la carte à Birouana parce que l'opposition au Kenya la bango. Opposition à Routia bango caca. Il y a un monde, il y a un biso opposition, tout à la carte à Birouana. Mais nous disons ceci, Ndekonangai. Ce pays va changer. Ce pays doit changer. Comme ils ne respectent pas l'opposition, nous allons aussi appliquer des méthodes fortes. Merci. Nous allons aussi appliquer des méthodes fortes. Waneza, shit, il y a député national Ados Ndombasi, Prince Pengue, Makamboyo, même professeur Kalela Bandai Koloba Mukoloa, na ba campagne de démobilisation. Et ça, Ndekomoka Bengi, Asenga Ekutuna Tanga Kombo, na été na quartier 3, na Massina, Avenue Losso numéro 22, je dois citer ça comme ça. Les gens se réclamant de Félix Tshisekedi sème terreur et désolation à Tchangou, ils ont dérangé Batunabino Kuna na Tchangou. Il y a un loba qui bouille. Makamboyo, comment on a été, beaucoup ma dimanche à Wabatu, tellement intimidation et puis démobilisé Bango, échec total na Makamunabino, net une déconde à Dengawa, beaucoup ça la Ndenge Nini, pour qu'il nous réconforte Bango en perspective, il y a meeting, il y a le 28 avril. Merci Ndeko, na tondio botondi na yambo na osignalo ete ba congolais ba landaka biso mingi balobaka ete spécial la muka soki bobandi yango tomoni bilili ya tata mokonzi ya ekolo Martin Fayulute c'est que moelo komoki e manke donc technicien na okuna na ebite soka melaki mo mbombo ako se retrouver te bo meka kotuna ye na oya yo motuna Ndeko na lobiete il est vrai que complot ezali ou dit contre meeting et puis retour à tata mokonzeko le Martin Fayulu. Bandeko ya FCC na cash na libana banga bosembo basali makita na butu balobiete retour ya Fayulu et sengeleza la échec balobiete meeting ya Fayulu et que simbate bapesi bato bambongo batindi bato bak intimider bato kote ya Saint-Thérèse batiana ba panneau ya bafo poza na bango kuna pour être pas découragé, pas démobilisé, bateau. Nous les savons. Les lots bateau balinga que Martin Fayulu n'accepte pas d'aller plus de 70%. Kobo sa na tête motoana a eu près de 9 millions de voix dans ma ponomie. Qui ça ça et alina ma boka Martin Fayulu. Ba maman a bi poupoula. Ba tailleur, ba chayeur, ba na moto, ba chauffeur. Bakambiste, babateka na nguba, bango tu bako yebisa biso, toko mona awa bako lobao mitinga ya Fayulu yali sute, Fayulu akozonga sisu mokolo ya dimanche te, tulobina bango yali lokuta. Tata mokonze kolo, Martin Fayulu akozonga mokolo ya lomingo. Dimanche, mokolo yenga, le 28 na 10e, biso banso, mandalala, tokenda koyambaye. Lokola FCC, Nakash, Ndeko Félix, Ndeko Kabila Balobi, Martin Fayulu, aina peuple en Simanaye. To la ki sa yete fe bako lingaye susute, to dekourage bango bak enda na aéroport, te bak enda koyamba yete. Me peuple na biso a repouve bango le contraire. Na ko koba Ndeko na koloba yete, na maye matali, maponomi na parlement. Otuni Ndeko Ados, Lobi men Ndeko Ados. Bino bolongwe na parlement bobimi libanda bino ba opposant. Pona nini IDPS et soutenir bino te. Ndeko oko tu na IDPS ya papa Tshisekedi to IDPS se kamere. Parce que oya likuna ya IDPS se kamere. Et za IDPS ya papa Tshisekedi te. IDPS ya papa Tshisekedi et alina mitema biso ba combattant. Le vrai. IDPS ya likuna na cash na parlement et za IDPS Kamere o kabunda kenda iko teka kuna na rubelwa esiko bakenda ki kumatana punda yango moni bande kona biso compatriote lokola ba mukoko batelemi babi te kabunda ko teka patriote kansiza l'élite kenda pona punda te o kabunda kenda matana na nini kuna yo so mona wapi election mobima na kati ya parlement ya bureau ya parlement kaka ba candidat iniki. Président, président c'est à bureau, il y a l'Assemblée nationale, candidat unique, Janine Mabunda. Vice-président, candidat unique, Kabund, va comme peut-être l'ingo Kokana.
mariage moko parfait bango mi balé Félix a ken États-Unis à lobby ba Amérique bo pesa nguya na déboulonner Kabila azongi na kisasa kabund na jardin mabunda basali liste moko liste commune pour na maponom mais yo ko le bana peuple te na ko ni ko déboulonner na ko ka Kabila mais ka Kabila ano azongi na kisasa au sale élection liste moko na ye Félix devait tromper qui? T'as l'air de bien valider Ndeko Lokondo. Lokondo a créé le coin indépendant. Kabila comprend qu'il y a un danger. Chaque fois Kabila a dit Mangana Kingakat, c'est qu'il y a péril à la demeure. C'est qu'il y a un Congolais qui va la mouka. Ça va député Bazaki nommé, mais elle a mouka Babino au conseil à ce moment mouki. N'a pas député Bazaki réellement élu le coin de Kwados, on a couru en dommage. Pour la population a raison. Beaucoup de députés ont disparu. Bani kusuko le kanitando ikete. Sauf ye, nama ike mkeba yo balobi, oye ke ya e ya. Toko defende kolo, pende pende atatamo konze kolo Martin Fayulu tina suka. Ebele babungi, ba hako banga, ba pesa o depa batakabila, ba invalide bango. Comment expliquer que le Kondo a te kandidati contre Jani Mabunda, pas contre Jani Mabunda, mais le Kondo est citoyen congolais na biwe ensemble. Ba comprendre que ce que le Kondo a te kali, bako voter bako sans candidat Kabila Jani Mabunda Kabila akimi mbango akiko mona Félix abi Félix soki ba rete candidature ote ngai na ko déboulonner yo merci Félix a passé mot d'ordre ba invalider candidature à Lokondo pe Jani Mabunda tikali yemoko atana une voix akoleka na ye donc pour chuter en disant lelo mboka ezali réellement à danger yemo ta suspendre l'élection à mende na kasa et peut-être mende à s'imposer ko la candidat unique Kabila a imposé le coup de candidat unique na kati ya sanku. Félix Salobi na suspend l'élection wana. Mais tu veux dire suspend la candidature à cause d'un estime peut-être Kabila a attentionné déjà Kabila Salobi d'ici deux jours. Il faut enlever suspension wana. Et puis comment on a constaté l'ango? Merci. Mais pour l'année na suspend candidature à Kabunda. Il y a Mabunda. Il y a mon collègue qui va assembler. Tonton Ibongo, tu sais que l'image il y a Martin Fayulu wana na cadre à restitution. Tu l'as vu sur image il y a arrivé na ye na Londres na Angleterre. Peto Taliango Simato. Yo, chaque fois, Katanga Maloba, c'est la bande. Thank you.
Voilà, c'était juste un extrait où on attend Wakumaki à Londres, donc capitale il y a Angleterre. Dans le cadre toujours, il y a tourné héros américain naïe. Tout va nous dire la minute image où on a mis colonion sur tous les kawa pour bomona en termes de restitution. Professeur, au regard des événements développés ces derniers temps, professeur, comment vous entrevoyez l'avenir politique de la République démocratique du Congo? Les événements qui sont en train de se dérouler ces derniers temps à l'Assemblée nationale, c'est un retour au mobutisme. Du temps de Mobutu, c'est la candidature unique. Le professeur qui nous a formés, Ngoma Ngambu, avait osé poser sa candidature. Il a été tabassé à mort. Les élections sous Mobutu, c'était un seul bulletin et c'était joué d'avance. La proclamation des candidats se faisait pendant que le vote se déroulait encore dans les circonscriptions électorales. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous avons suivi tous, et nous continuons à suivre, ce qui se passe au Soudan, au Comores, en Algérie. Maintenant, nous comprenons pourquoi ces peuples-là ont raison. Ils vous disent, nous ne voulons pas voir ceux qui ont détruit le pays pendant X nombre d'années revenir au pouvoir. Au Congo, nous sommes en train de rouler à contre-courant du vent de l'histoire. C'est ceux qui ont détruit le pays qui s'imposent aujourd'hui pour continuer à diriger, et certains Congolais les applaudissent. Le FCC, c'est-à-dire la majorité présidentielle d'hier, entend continuer à diriger et elle impose sa loi. Comme au Bénin, elle exclut l'opposition de la compétition aux élections. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes en très grand danger. La démocratie est en train d'être piétinée. Puisque la démocratie est en train d'être piétinée, il n'y a pas de fin de crise, la crise va demeurer et la crise va se renforcer. Plus grave, au moment où ceux qui ont détruit le pays pendant une vingtaine d'années reviennent en force, raflent tous les postes dans toutes les institutions, les opposants d'hier vont les rejoindre pour leur prêter main forte. Ça s'appelle la trahison et une haute trahison. Nous avons vu en ce qui concerne le vote de gouverneur. L'UDPS était en alliance, comme aujourd'hui, avec le FCC. Elle avait un candidat. Personne du FCC n'a voté pour le candidat de l'UDPS. Personne. Il n'y a eu que 12 voix des membres de l'UDPS. Aujourd'hui, l'UDPS se permet de voter pour le candidat du FCC. En grande majorité, il faut pas... On n'a pas à faire des dessins. Parce qu'eux aussi vont voter les leurs.
Oui, mais c'est-à-dire quoi? C'est une complicité dangereuse. C'est une complicité dangereuse. Elle est dangereuse. Nous voulions ensemble le changement. Ce changement, ceux qui étaient là, le FCC, le bloque. Et ils nous font retourner à la dictature. Des opposants les accompagnent, les applaudissent, leur donnent main forte. C'est pour cela que nous disons que, contrairement aux autres peuples du monde, nous sommes en train de rouler à contre-courant de l'histoire. Les exemples que nous venons de citer, que nous vivons, vont dans l'autre sens. Vous avez dirigé le pays, vous avez détruit, le président qui était à la tête doit partir, non seulement le président, tous ceux qui ont travaillé avec lui. Et vous voyez qu'en Algérie, en dehors, en plus des politiques, on poursuit ceux qui ont volé dans le système. Ici, ceux qui ont volé dans le système, cela coule douce. Ils ne seront pas poursuivis. Ils sont immunisés et c'est eux qui font la loi. Que dire au peuple congolais? Je crois qu'il faut ouvrir les yeux et se ressaisir pour sauver le pays. Nous sommes la risée de l'Afrique, nous sommes la risée du monde avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On reconduit avec la complicité des opposants d'hier, les destructeurs du pays hier, les fossoyeurs de la démocratie hier. Voilà donc pour le professeur en Chitan, il faut ouvrir les yeux et se ressaisir pour sauver la République démocratique du Congo en danger. Alors, député national Ados Ndombasi, Atako Bozana Bankoko Sokuna, na Katia Assemblée nationale, mais bino pe na ndenge na bino la mobilisation, surtout ba député nyonso ya Lamuka, ndenge nini boza ko préparer. Qu'on prépare pour la meeting wana ya kafu ya le 28 avril na niveau na bino ba député nyoso et ba député nationaux, pourquoi pas même ba député provinciaux ya la mukande ni vous préparer donc meeting ya le 28 avril. Cher frère Martin Fayulu, le président élu à Zozonga na Congo dimanche oyo biso au niveau il y a la Mouka, bien sûr, tous les députés à la Mouka, Torozala, non, Torozana, aéroport Angel est déjà à partir, il y a 8h30. Torozala déjà dans l'aéroport Angel. Nous essayons de nous organiser vraiment à notre niveau. Tous les 113 députés, il y a opposition, Bakoyamba, président Martin Fayulu. Mais j'aimerais dire, compléter avant de continuer sur... paraphraser un peu le professeur Kalele, qui a dit quelque chose de très important. Ndegunanga obi que l'élo tozali le 24 avril. Ça fait 29 ans que Mobutu a salara discours naé sur la démocratie quand même. Hein? Il a parlé de démocratie. Mais je me pose la question, est-ce que depuis Mobutu a pesabiso discours wana, est-ce que le pays a réellement grandi démocratiquement? Est-ce que nous avons évolué sur le plan démocratique? Je ne pense pas, malheureusement. Nous n'avons pas évolué. Nous avons vu Nakatia régime Kabila pendant 18 ans ce qui s'est passé. Bah, assassinat Nenge Salami. Comment nous avons perdu des jeunes frères qui sont décédés parce qu'ils n'ont demandé que le respect de la Constitution. Ça fait 29 ans que le pays, normalement, devait réellement avancer. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Assemblée est une insulte à la démocratie, mon cher frère. Est une insulte à la démocratie. En fait, ce pays a été géré dans l'anarchie. En fait, Congo est gérama na kiyanki, na voyoutisme. Pendant 18 ans, ils avaient été obligés de dire ba kaniyo, ba bomiyo, ba voyou. Ba voyou, je suis désolé. Les 18 ans de la Kabylie, c'était du voyoutisme à outrance, malheureusement. De l'anarchie.
Et aujourd'hui, nous le voyons aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, Lobby, c'est la continuité. Nous disons non et non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mon cher, est-ce qu'on veut aujourd'hui que le FCC est encore plus fort? Est-ce qu'on veut que Kabila Lobby est encore plus fort? Et qu'il peut décider aujourd'hui de changer la Constitution? Est-ce qu'on veut en gros? Ils sont 387. 387. Bissona opposition, nous ne sommes que 113. Balaxim se la force, c'est un baron qui est noté. Tu as 387. Bon, vous aurez un poste moko. Nanko. Bon, ça, et puis se l'auté. Et puis, tu as une élection. Et tu penses que toi, là, on va changer le mot quand même? Tu penses qu'ils vont vraiment changer ce pays? Mon cher, mais non, moi, c'est l'inassomme. Je suis à l'Assemblée nationale et c'est l'inassomme. J'ai l'impression qu'ils sont drogués. Donc, j'ai l'impression qu'on soit là, tout moko. Donc, bah, il m'a salaté. Vous parlez des gens robotisés. Je dis ceci au peuple congolais. Ce peuple nous appartient. Ce pays nous appartient, Nikonama. Nous dans l'équipe seule qui est congolais à Sati. Il faut au Lamouka. Nous devons être libres, les amis. Ce pays est pris en otage. Et j'ai l'impression que ce côté les sous-mali, Bouloumoko, Yamaka Sikoleka. Et j'en suis très, très choqué. Donc je demanderai à tous les amis, s'il vous plaît, Bola Kisaboli Monabino envers président élu Martin Fayoulou. Venez très nombreux. Vous savez, chers amis, à chaque époque, il y a toujours un leader qui vient sauver le peuple. Dieu nous a donné une personne qui s'appelle Martin Fayoulou. Nous devons le soutenir. Tala, Tola Kisabatu, que Martin Fayoulou y est né leader y a Congo. Tosala ébélé, tosala nombreux, le dimanche. À partir de 8h, l'aéroport est en Jili. Donc, il y a makolo ti, en Jili s'intéresse. Na opé sa paix numéro dans j'espère qu'on peut s'appeler sur la loi de Soussou. Na opé sa paix numéro dans l'aise. Non, minute ici, il peut sa numéro mbamo. 099-99-11-972. Na rossé n'a fait na batou. Pour moi, Nazali, membre PASID. Nazali, il y a dynamique de l'opposition avec le professeur Kalele. Mais je suis aussi du parti SID ou à Martin Fayoulou. Lélo, tout ce n'a boué. Moutala Mouka, ou à Zali, na parti politique T. Kota na parti politique à Martin Fayoulou na Kombo ya SID. Numéro na biso ezali 099-99-11-972. Routine na biso WhatsApp, to repé sur adresse. Adresse ya SID ezali na 192 avenue de l'enseignement, 198 avenue de l'enseignement. Merci. En face, bien sûr, il y a boulevard Triomphal. Donc, numéro et honorable Nombasi ezali 099-99-11-972. Venez nombreux le dimanche. Soutenir Martin Fayoulou. Parce que vous nous savez ce mini. Depuis que Monique et Martin Fayoulou, à Saliba plein, na France, na Londres, mon frère, est-ce que vous avez bien que Moutoua Salamou a zaté dans le Congo. Même dans le Afrique, aucun policier ne l'a fait, malheureusement. Malheureusement. Martin Fayoulou est un grand leader que nous devons respecter et que le peuple congolais doit accompagner. Très bien, à la télévision, c'est le temps. Alors, Epengé, une minute. Juste une minute. Ndekomoro Bengaki. Alobi. Au moins une chemise ou une Martin Fayoulou Azola Tavacha photo naya ou bazo linga bango balata yango bazo wapi est-ce que bazo te kango répondre capo na question de quoi na sinon te na la kakiye. Merci beaucoup. Ba benga na numéro oyo honorable Ados à Pessi Awa to ke indiquer bango et si ka bako somba yango na ko profiter pe ko pesa oyangai numéro zali 081 23 55 500, je répète 081 23 55 500. Mais yo pe na yiko yebiso maloba batu ba yebisinga babi ye a rappela ka biso se maima koleka la muka. Mais le lozo ape courage yo journaliste mopanzi sango wa journaliste munene le voir ba congolais te le lo ba député ne sur FCC ba voter Kabund pe ba député ne sur IDPS ba voter Jani Mabunda ya PPRD o ya PPRD nyon super FCC ba voter Kabund. Maintenant, il y a des services qui sont là où il y a des peuples qui sont là. Il y a des gens qui sont là beauté entre Félix et Kabila. Raison pour laquelle il y a des gens qui sont là. Mingo, le 28, il y a des gens qui sont là. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pour l'alternance et à tout. Ce qui est de Kouados, nous avons attendu le lobby à Koulekalissoussou. Pour tout le monde, nous avons attendu le lobby à Koulouba. Nous avons attendu le lobby. Donc, quant à moi, je vous dis. On voit, si Dieu nous prête vie, on se retrouve ici sur ce même plateau demain à la même heure. Au revoir.
Il a Bomoko Yamboka, Elengi Kano.